Salut Michel. Salut. Deuxième ronde aujourd'hui, ronde de 75 hier, 73 aujourd'hui. Oui. On peut dire que c'est excellent. Ça a été une bonne partie, juste un mauvais trou. Un 4 potes sur un par 3, malheureusement. Le reste de la partie, pas me plaindre dans les conditions venteuses qu'on avait. Puis les verts sont quand même ondulés beaucoup. Endroits, j'ai réussi à faire des bonnes lectures. Ben, c'était un Bon. peu ma prochaine question, c'est parce qu'on a eu des conditions vraiment différentes. Hier, Oui. c'était très chaud, beaucoup moins venteux. Aujourd'hui, je pense que les gens on a pu relaxer un peu, mais le vent, c'était vraiment un facteur déterminant aujourd'hui. J'imagine qu'au niveau des chapes, quand tu veux, ça devait être pas mal différent. Ben, effectivement, hier, il y avait zéro vent. C'était des conditions qui étaient pourtant idéales. Aujourd'hui, il ventait beaucoup, mais c'est un peu particulier. C'est un terrain où on n'a presque jamais, en tout cas avec le vent qu'on avait aujourd'hui, presque jamais le vent d'en face. Il est de côté, il nous aide. Il y a juste quand on finit 9-18, là, on l'a vraiment dans la figure. Puis il était fort pour deux bâtons supplémentaires. Oh, deux bâtons, c'est quand même pas Oui. mal. Je ne sais pas si c'est ta première fois. Troisième ronde demain, tu es en tête. Est-ce que c'est ta première expérience? Ben, c'est ma première expérience dans le senior, oui. J'ai déjà fait des équipes provinciales 4 fois, 3 fois dans le mid-amateur, mais j'étais pas meneur après 3 rondes, mais j'avais joué dans le dernier groupe. Puis l'année passée, dans le Duke de Kent, j'ai joué dans le dernier groupe aussi. C'est le fun d'avoir un petit peu de bagage dans nos poches parce qu'on va en avoir besoin. Comment tu appréhendes ta ronde de demain? C'est quoi ton thinking quand tu vas rentrer sur le terrain demain? Sachant qu'on va peut-être avoir des conditions avec un peu de pluie et tout ça. Oui, c'est sûr que quand on fait des compétitions, les gens, des fois, qui n'en font pas, ont de la difficulté à comprendre qu'on ne joue pas de la même façon que quand on va jouer le jeudi soir après le travail. Fait que c'est ça qu'il faut essayer demain, être jeudi soir à 5 heures. Ça donnera ce que ça donnera. Ben, félicitations, une belle Merci façon de beaucoup. penser, puis bonne chance demain. Merci.